Et salut tout le monde, ici Benji de Game 59. On se retrouve pour un tutoriel comment avoir des équipements d'héritage. Donc vous vous êtes sûrement posé plein de questions quand vous voyez des bas levels avec de bons équipements. Quand vous disiez ah, comment tu l'as eu, comment tu l'as eu. Et qui vous répond pas, bah moi je vais vous dire ça en vidéo là maintenant. Donc pour ce faire, déjà il vous faut des points d'honneur ou des PO parce qu'il y a deux solutions. La première solution, donc c'est dans la guilde, il faut être exalté. Donc vous êtes en récompense. Et regardez ici comme blog, top en signal sans guilde. Vous en avez plein. Et il faut des PO. Comme par exemple je peux prendre celui-là, mais j'ai pas assez de PO. Donc je répète, vous cliquez sur J ou là ici, guilde, vous allez dans récompense et vous soyez exalté. Ça dépend, comme là requis exalté auprès de la guilde. Donc ça c'était la première solution. La deuxième solution c'est si vous êtes à 2, c'est ailleurs le vent et ici. Donc on peut rentrer là et c'est la femme qui est là, objet de l'héritage d'honneur. Je ne propose que les meilleures marchandises. Il y a plein de d'équipements d'héritage. Il y en a qui les coûtent très cher. Mais comme là, pour chasseur, paladin, et mage, démoniste comme vous voulez. Ça coûte pas cher. Donc et bien voilà. Donc ceci était un petit tutoriel sur World of Warcraft Mist of Pandaria. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc aimez, abonnez-vous à ma chaîne, commentez. Allez, ciao.